Bonjour Johan. Ça va Romain? Ça va? T'es en forme? Merci de nous accueillir dans ta belle galerie. Merci. Je suis pas venu les mains vides. On m'a dit que t'étais un artiste. À toi de jouer. Ah, et le stress de la feuille blanche. Alors le thème c'est? Là, sur cette expo, ouais. L'amour et la violence. Ça te correspond? Ça te parle? C'est toi qui as choisi? Comment? Non, on l'a choisi ensemble avec mes deux potes qui sont, Inès et Jean. Et eux, ils travaillent énormément autour de la femme. Donc on voulait le côté sexy, mais le côté aussi tendre, mais dramatique un peu des relations, tu vois, des fois, de la séduction, de l'amour, bon bref. On est parti un peu loin, mais c'était le moment de le faire, donc c'était cool. Et combien de temps, là, c'est une galerie? L'expo? Non, ou la galerie. Un mois, ça doit faire un mois. Ah, c'est tout. Oui, c'est tout récent. C'est le premier. Première caméra, c'est l'expo. C'est ça, ouais. J'ai l'honneur, je suis flatté. Et alors, pourquoi l'art? Pourquoi une galerie? Pourquoi Alors, pourquoi? Ben, tout simplement parce que ça m'a toujours plu. Je sentais que c'était le moment d'essayer de faire un truc et de plébisciter un peu le travail de jeunes artistes. Moi, ce qui me touche avant tout, c'est le fait de créer. Ça me touche énormément parce qu'il y a une réflexion derrière et le Mais fait toi, qu'il y ait une création crée. Artistique. Non, chez les autres, tu vois. Moi, je l'ai fait un petit peu étant plus jeune, mais j'avais pas du tout la fibre. Si, mais la qualité pour, tu vois. Ouais. Et ce qui me touche, c'est l'idée et le chemin qui est parcouru, tu vois, dans la création. Voilà. Et pourquoi tu penses que tu as cette sensibilité-là? Parce qu'il y en a, comme tu dis, ils sont pas du tout sensibles. Pourquoi? Parce que quand j'étais petit, mon père dessinait beaucoup. C'est lui qui m'a mis au dessin. Il était dessinateur industriel, donc je l'ai souvent vu dessiner parce que il dessinait beaucoup de choses, des plans, tu vois, et ça m'a toujours plu, le calme que ça qu'il y a eu. Quand j'étais petit, on m'a mis à la peinture, donc je prenais des cours de peinture. Je trouve que cet univers-là, voilà, de création me plaît beaucoup. Et j'aime l'idée de faire partager ça, en fait. Mais voilà. Bon, je suis désolé, mais on va être obligé de parler un petit peu de rugby. Tu as commencé ta carrière au bord de la rade. Ouais, à Carcarane. Et tu te sens plutôt de là-bas? Tu es vraiment toulousain maintenant? Par contre, je me sens très très bien ici. Je me sens très bien en famille quand je redescends. Et voilà. Je pense qu'ici et là-bas, je me sens chez moi. Et peut-être un jour, ça sera ailleurs. Après le rugby, je ne sais pas du tout. Mais voilà. Tu as un rêve? Tu dis après, je ne sais pas, une galerie d'art à New York, tu as envie de voyager? Tu as des trucs auxquels tu penses qui. Non, tu n'as pas. Ouais, peut-être le Japon. Japon, rugby, les deux. Non, après peut-être, tu vois, après, ouais. Pour voir, ouais. Voilà, peut-être dans l'art ou dans autre chose, mais... Quel est le plus beau souvenir que tu as eu? Rugby, c'est les titres. C'est des grands moments de joie après des moments difficiles et longs moments de saison comme on a ici. Et les grands moments de vie en général, c'est les choses simples avec quand t'es avec les tiens, quoi, tu vois, que ce soit l'amitié, les très proches, la famille. Et t'es quelqu'un de stressé avant les matchs? T'es stressé? T'as un rituel? J'en ai longtemps eu, mais j'ai essayé de gommer ça au maximum parce que je trouve que c'était source de stress supplémentaire, surtout quand t'as un match où tu t'en oublies un, tu vois, de petits rituels. Alors là, t'as l'impression que tout s'écroule. Donc c'est dommage de perdre ta confiance sur des trucs comme ça. C'est des bêtises. Le seul truc qui m'est resté vraiment, c'est de me préparer. Je sors pas avant les matchs sur la pelouse, tu vois, voir les adversaires ou le terrain, avant l'échauffement, je veux dire. Et de faire une bonne pré-échauffement dans les douches. Physique. Toi, ouais, le cou, faire. Les épaules et tout. Ouais, c'est le seul truc qui m'est vraiment resté important, quoi. Et c'est quoi ton rêve de joueur? Tu y penses à la prochaine Coupe du Monde, l'équipe de France? Non, non, mais bon, après, tu y penses. Oui. Tu peux y penser quand tu y avais l'équipe de France ou quand on t'en... Mais sinon, c'est trop loin. Par contre, ouais, ce qui serait top et très fort, c'est de gagner un titre avec Toulouse. Avec la jeune génération qui arrive là. On a des super jeunes joueurs, début de la vingtaine, quoi.
la première ligne, aux ailes aussi, il y a Arthur Bonneval, il y a Thomas Ramos qui va partir, mais qui va revenir, ouais. Et il y a Gaël, il y a Yacouba, il y a des super, super mecs, on a un super groupe, et donc ouais, c'est tout con. Des bons jeunes français, pas trop d'étrangers, c'est bien ça. Ben, ah. C'est important. Ah bah. Hein, c'est dans le rugby, je pense qu'il faut. À Montpellier. Moi, j'ai dit ça. Tu le dis en rigolant, mais vraiment, il faut se positionner. Hein, faut dire, là, c'est important que les jeunes français qui sont bons, et il y en a plein, puissent avoir la chance d'évoluer et de pouvoir se confronter à ce qui se fait de mieux. Ah, ça va faire sortir le visage. Qu'est-ce que ça représente? Pourquoi? Comment? Pourquoi? Honnêtement, je ne sais pas. Et voilà, mais c'est une femme. C'est qui? J'espère qu'on reconnaît que c'est ça, une femme. Je ne sais pas qui c'est. Et si, même si je le savais, je ne te le dirais pas. D'accord. Donc voilà. Tu sais qui c'est? Plus ou moins. D'accord. Même si j'espère que ce n'est pas très ressemblant, parce que sinon... Salut, c'est Dardard. C'est quoi? Dardard, c'est l'histoire d'une œuvre d'art. De l'art? De l'art. J'adore! C'est une œuvre réalisée en 1988 par Catherine et Michel, merci qui? Sur les bords de la Méditerranée, à Hyères. Le tableau passe tout d'abord inaperçu aux yeux du public azurien. Il circule successivement entre les mains de collectionneurs, tout d'abord Carcaranière, puis en 2006-2007, entame une série d'allers-retours entre le Pôle Espoir Marcoussi et Toulon. Très rapidement, le courant des spécialistes l'élève au rang d'œuvre nationale. Mais c'est réellement sous l'ère du maître Novès que le tableau prend véritablement sa valeur. Quelques conservateurs de musées étrangers s'intéressent à lui outre Manche, mais le trésor ne sera jamais expatrié. C'est en 2012 qu'il sera exposé pour la première fois au musée national du Stade de France, aux côtés du légendaire Nallet. En 2014, il tiendra la cote à lui seul du triptyque Flancard, Papé, Maestri. Le public est conquis, son statut d'œuvre internationale est acquis. Il est dès à présent visible dans nombre de galeries et musées d'Europe et du monde entier. Le Millennium de Cardiff, Murrayfield d'Édimbourg et l'Eden Park d'Auckland. C'est lors de l'exposition universelle en 2015 à Londres que PSA, Philippe Saint-André, collectionneur très controversé, en fera son œuvre préférée. Mais c'est bel et bien à Toulouse, dans la galerie d'Ernest Vallon, sous l'œil averti de jeunes artistes en devenir que sont Mola, Elsad, Servat, que l'œuvre majeure s'admire désormais, et on l'espère pour longtemps, Johann Maestri. Johan, merci de ton accueil. Merci à toi. Mademoiselle, au revoir. Voilà. À bientôt.